Oh my god. Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier par rapport à la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à vous abonner, surtout à donner la force. Et ça, si. Ça c'était un peu gênant ça. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment avoir un départ explosif. Mais non, pas comme ça. Plus sérieusement, on va essayer de voir comment avoir un départ explosif au foot. Dans un premier temps, je vais vous mettre ma séance complète avec des sous-titres, bien sûr. Et nous, on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Alors, pourquoi je fais l'intro chez moi? Et bah, tout simplement parce que j'ai pas pu vous expliquer sur le terrain. Moi, je vois pas l'intérêt de vous mettre juste une séance sans explication. Voilà pourquoi, et nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. Oh my god. Alors dans cet exercice, je me suis focalisé surtout sur le temps de réaction avec l'aspect visuel. Parce qu'il pouvait aussi me dire à droite, à gauche, mais moi j'ai préféré qu'il montre avec des couleurs de coupelle. Ici, ce qui va être vraiment important, c'est pas vraiment la fréquence d'appui que tu vas mettre au départ, mais vraiment sur le temps de réaction que tu vas comprendre où il faut aller.
Après, dans un deuxième temps, j'ai mis une petite variante. Il m'indiquait une couleur, mais je devais partir à la couleur opposée. Je vais te donner un exemple concret au foot, par exemple. Ton pote, il te dit, le mec, il vient à gauche. Mais toi, t'as regardé avant, t'as vu que le mec, il venait de droite. Donc, tu fais une feinte avec une prise de balle. Tu fais semblant d'aller à droite, tac, et tu pars à gauche. Et là, tu l'as eu. Et dans cet exercice-là, par contre, la fréquence d'appui, elle est vraiment importante. Comme vous voyez, au début, je fais des petits pas et ensuite, j'allonge ma course. Et là, très important, toujours utiliser ses bras. Essayez de rapprocher vos bras au maximum au long du corps. Et ici, sur le troisième exercice, tu fais la chaise sur le poteau. Et ensuite, tu fais 3-4 appuis dynamiques et t'accélères sur 10 mètres. Et tu peux faire ça 3-4 fois selon les séries que tu t'as imposées sur ta séance. Et pour finir, le quatrième exercice, c'est un exercice que j'ai vu sur l'entraînement de l'OL. J'ai vu qu'il travaille sur la puissance, explosivité, vitesse. Et moi, c'était sur mon thème. Et ici, très important, toujours avoir une bonne coordination. Quand tu lèves le bras gauche, tu lèves la jambe droite. Et ici, enfin, on va voir les renforcements qu'on peut faire. Moi, j'ai pris ceux-là, mais vous pouvez en prendre d'autres, bien évidemment. Moi, j'ai fait les squat jump en ayant les bras croisés comme ça. Et j'ai fait des squat jump aussi en tenant mes hanches. Vous allez voir, il y a une différence entre les bras croisés et tenir ses hanches. Faites-le, vous allez voir. J'ai fait du gainage au sol normal. Et j'ai fait aussi du gainage au sol toujours, mais en écartant les jambes et en les ramenant. J'ai fait aussi des fentes. Alors je vous conseille, ne faites jamais ces renforcements musculaires, surtout les fentes. Si par exemple vous avez un match samedi, ne les faites pas jeudi. Faites-les vraiment début de semaine, soit lundi ou mardi. Voilà, faites ces renforcements vraiment à début de semaine parce que les courbatures que vous allez avoir juste après, hein, je vous dis pas. Et surtout, le plus important quand vous faites un exercice comme ça, ça puise beaucoup d'énergie. Respectez vraiment le temps de repos entre chaque exercice. Et sur chaque exercice que vous faites, faites-le à 1000%, les gars, 1000%. Faites pas les choses à moitié. Alors, il faut savoir un truc, les gars, la minorité des joueurs qui courent très vite au foot, c'est héréditaire, mais la majorité, ça passe par du travail. Moi, je vais prendre mon cas de base, je suis un joueur rapide, mais il me manquait quelque chose. Et depuis que je fais ces exercices, bah, j'ai un meilleur départ et c'est un plus pour ma vitesse aussi. Et un commentaire que j'ai trouvé vraiment important aussi, je crois qu'il a dit t'es bon techniquement et la vitesse aussi, mais ce qu'il faudra travailler, c'est surtout sur l'aspect physique et tactique. T'as totalement raison. Parce que quand tu vas commencer à gravir les échelons, tu vas tomber contre des joueurs qui sont prêts tactiquement, ils sont en place et tu vas vraiment être limité au niveau de tes dribbles, même sur ta vitesse. En fait, plus tu montes ton niveau, plus tactiquement, il faudra être prêt aussi. Et moi, j'ai eu de la chance dans les catégories jeune, j'ai pu passer par la TA. Et là-bas, bah, au niveau tactique, bah, on est prêt, quoi. Donc voilà la team, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et pour finir, bah, je vais vous montrer quelques gestes techniques que j'aime reproduire en match. Et je vous donne un conseil, les gars. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Si vous avez des gestes que vous aimeriez faire en match, faut commencer par les travailler tout seul, ensuite sur des gens, profiter des entraînements pour les faire. Après, ça viendra tout seul, les gars. C'est bien de dire que je sais faire ça, mais c'est mieux de le faire et de le mettre en pratique, répéter. Du coup, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace. Que tú eres